Johnny Hallyday, c'est votre premier grand film. Est-ce que vous êtes conquis par le cinéma? Oui, extrêmement, oui. Je suis conquis surtout parce que dans le cinéma, je trouve qu'il y a une ambiance formidable. Je pense que c'est à peu près le même métier que d'être chanteur. La seule différence qu'il y a, c'est que dans le métier de chanteur, il y a beaucoup de... Tout le monde se tape un peu sur le dos, je pense. Et je pense que dans le cinéma, c'est le contraire. Quand vous êtes sur scène, tout le monde s'accorde à reconnaître votre présence en scène. Même ceux qui ne sont pas des fanatiques de Johnny Hallyday disent qu'il a une présence. Et on se rend bien compte, quand vous êtes en scène, que vous avez du plaisir à être là et à être devant des milliers de spectateurs. Quand vous êtes devant une caméra, vous êtes seul. Comment faites-vous pour que ça chauffe, comme on dit? Bien, je pense que ça ne chauffe pas de la même manière, parce que quand on est sur scène, il y a le public. Comme vous dites, il y a l'ambiance. Et sur scène, on fait un peu de l'improvisation. On ne règle pas tout avant. Et quand, devant une caméra, que ce soit une caméra de télévision ou une caméra de cinéma pour faire un film, je pense que tout est réglé avant. Enfin, je ne pense pas, j'en suis sûr. Tout est réglé avant et je ne pense qu'il n'y a pas d'improvisation. Et donc, ça ne peut pas chauffer pareil. Oui, mais il y a des gens, par exemple, qui devant une caméra parlent faux. Oui. Or, ça n'est pas le cas. Je pense que c'est pas à moi de le dire. Je vous remercie. Est-ce que vous avez envie d'être acteur? Oui, j'aimerais, oui. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Bien, pour l'instant, je ne fais rien parce que j'ai beaucoup de tournées. Je chante presque tous les soirs. On fait une moyenne de 400 km par jour. Et je pense que pour l'instant, je n'ai pas le temps de le travailler. Ce que je pense que je pourrais le travailler, c'est pendant mon service militaire. C'est-à-dire pendant les permissions. Donc vous penseriez travailler en France? Je veux dire dans une école en France. Oui, de toute façon, oui. Parce que je pense que, d'ailleurs tout le monde le sait, moi j'aimerais jouer le style un peu de Kazan. Pour moi, Kazan, c'est extraordinaire. Mais je pense que ça n'irait pas pour un Français, pour la France. Parce que je pense que les jeunes ont la même façon de penser de toute façon dans le monde entier. La jeunesse n'est plus exactement comme avant. C'est-à-dire que... Elle est plus, je ne dirais pas plus triste, c'est un mot trop grand, mais mettons plus, beaucoup plus rêveur. Et je pense que ça n'irait pas d'étudier en Amérique parce que c'est pas la même façon de vivre en France qu'en Amérique. Et je pense qu'on peut faire ce style-là en France avec des pensées françaises, enfin en tout cas des pensées européennes. Comment travaillez-vous avec Noël Howard? Alors c'était formidable avec Noël parce que je dois dire qu'il m'a vraiment énormément aidé. Des scènes par exemple où il me faisait, il y a beaucoup de metteurs en scène qui vous font faire ce qu'eux veulent. Ce qui était formidable avec lui, c'est qu'il laisse faire ses acteurs ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire il leur donne une idée au départ, il leur dit par exemple moi je verrai, je rentrerai comme ça, j'ouvrirai la porte comme ça et puis je dirai une phrase de telle façon, mais il dit je te donne l'idée puis tu fais comme tu veux. Et alors le soir je pensais toute la soirée à ce que j'allais faire et puis le lendemain ça venait tout seul. Je dois dire que c'était quand même en grande partie grâce à lui. Avec quel metteur en scène français aimeriez-vous travailler? Eh bien, j'aimerais énormément refaire un film avec Noël Howard, si c'était possible. J'aimerais également aussi faire un film avec François Truffaut, que j'adore, ainsi que Serge Bourguignon. Parmi les metteurs en scène américains, je pense que c'est Kazan. Et parmi les acteurs ou actrices, avec qui aimeriez-vous jouer? En France? Avec Jeanne Moreau. Vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez beaucoup de pays, vous ne connaissiez pas la Camargue. Qu'est-ce que vous pensez de la Camargue? Je pense que la Camargue, c'est un pays formidable. D'ailleurs, je pense que mon ami Yvan Edouard en a fait tout à l'heure les éloges. Et je pense qu'il a tout dit pour moi. Le film que vous avez tourné, D'où viens-tu Johnny, se termine sur une interrogation. Après tout, chacun peut imaginer la fin qu'il veut. Oui. Comment voyez-vous la fin du film? C'est-à-dire que moi, c'est un peu pareil, moi je ne sais pas exactement, je pense qu'on devait faire une suite au film, et puis je ne sais pas très bien si la suite va se faire. C'est-à-dire la suite du film devait se refaire vers Paris, on m'aurait revu dans mes ennuis, et c'est pour ça que la fin du film s'est terminée ainsi. Mais dans ce cas, on a l'impression du monsieur qui s'en va tout seul. Oui, c'est exact d'ailleurs.